salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play de Mass Effect 2 sur PC. La dernière fois, nous étions arrêtés après avoir recruté Grunt. Vous êtes sûr que ces modes d'armure nous protègent ? Impossible de s'avancer. Face à une opposition restreinte, ils devraient brouiller leur détection. En théorie. En théorie, c'est prometteur. Ce n'est qu'un prototype à évaluer en situation de combat réel. Il me tarde de voir si vous survivrez. On va reprendre notre fusil de précision. Donc j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme, parce que moi oui. On va continuer sur la colonie Horizon. Ah, nos premiers combats contre les récolteurs. Balle percussive prête. Ils sont stylés leur chara-design hein, quand même. Je les aime bien. Déjà toutes les munitions, ok. Me revoici, désolé, mon curseur était sorti de l'écran. Les récolteurs perturbent les transmissions. On est livré à nous-mêmes. Oh, des zombies. Ah oui, eux, ils étaient dans le 1, je me rappelle. Je me rappelle des zombies. Par contre, là, je suis sûr que je ne suis jamais allé à cet endroit. Ces horreurs ressemblent aux zombies dont les Geths se servaient sur Eden Prime. C'est cela. Vous croyez que les Geths tenaient cette technologie de Sovereign? L'homme trouble disait vrai. Les récolteurs sont des agents des moissonneurs. Je vais prendre ça, on ne sait jamais. Et là, on continue d'avancer. Ces choses étaient humaines avant. Non, sur Eden Prime, les victimes étaient empalées sur des pics et transformées en zombies. Les récolteurs ont dû amener les zombies. Ils capturent les colons vivants. Cette colonie est attaquée. Oui, chef. J'ai choisi le mauvais dialogue, excusez-moi. Tous ces bâtiments vides, c'est dérangeant. Freedoms progresse. Toute la colonie. Ah des munitions. Encore un joli. J'ai pas ma souris qui est encore sortie de l'écran, c'est chiant. Bon, je fais rien pour que ça arrive. Hein. Alors. On peut pas passer par là. Je ne sais pas la longueur de Mass Effect 2, je sais pas où on en est dans l'histoire actuellement. Si jamais vous savez, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Si j'en ai à 30%, 20%, un peu moins, un peu plus. On prend le plus de munitions possible. Alors,
Comment on peut passer? C'est par où? C'est par là-bas. Tiens. Ah oui, ces escaliers-là. Ok. Apparemment, c'est une sorte de champ de stase. Les victimes sont paralysées, mais elles restent conscientes. Ils sont dans cet état depuis un bout de temps. C'est une arme quoi ça? Ah, nice. On va tester. On pirate. C'est pas ici en fait, je croyais. Cette arme, on va la garder plus tard. Oh oui, d'accord, j'avais pas vu que c'était là la zone suivante. Oups. Vous allez apprendre ça. Dans ce temps-là. Moi, je ne me bats pas, enfin, du moins pas trop. Prise de contrôle. De cette enveloppe. Donc ça s'appelle un augure, hein, si je m'abuse. La mort, c'est moi. Tu n'es rien. Des munitions, yeah! Déverrouillons la porte. Sortez de là immédiatement. Vous êtes humaine? Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous allez les attirer sur nous! Vous avez dû les entendre qui essayaient d'entrer. De toute évidence, ce n'est pas facile d'échapper aux récolteurs. Ce sont des récolteurs, ces monstres! Vous voulez dire que c'est pas une légende? Je croyais que c'était des histoires. Vous savez, de la propagande. Non! Ils ont eu Lilith! Je les ai vus l'emmener! Sten aussi! Ils ont emmené quasiment tout le monde! Quel est votre nom? Je m'appelle Delan! Je suis mécano! J'étais descendu, j'ai regardé dehors, et il y avait des nuées d'insectes! Bon sang! Tout ça c'est de la faute de l'Alliance! C'est à cause de cette tour. Parlez-moi de cet officier de l'Alliance. L'artilleur Williams? Pas moi, ça me fait ni chaud ni froid! Vous avez une idée de ce qu'elle était censée. Moi j'ai eu l'impression qu'elle était là pour autre chose! Pour nous espionner peut-être! Parlez-moi des tourelles canon, défensives. Bref, l'Alliance nous a refilé un canon. Moi, c'est pour plus avoir l'Alliance sur le dos. Les récolteurs. Cet officier-là,
C'est pas pour nous aider que les Si vous avez des défenses... À condition d'arriver à calibrer le système... Nous pouvons arranger ça. Allez jusqu'au transmetteur principal de l'autre côté de la colonie. Vous risquez pas de le manquer. Le mieux, c'est encore... Ouais. Vous sortez si vous voulez. Et bonne chance. Et ben vous en... Je quitte pas ce bunker tant que ces aliens sont encore là. Celui-là a fait mal. Continuez. On y va. Si je dois vous tailler en pièces, Shepard, je n'hésiterai pas. D'accord. Ils savent qui nous sommes, bien sûr. Ce sont les récolteurs qui sont alliés aux moissonneurs. Ça peut se comprendre vu leur lien via leur nom. Récolteurs, moissonneurs, tout ça, tout ça. Intéressant. Étrange qu'on n'ait pas croisé d'autres colons paralysés. Les récolteurs les ont déjà fait monter dans leur vaisseau. Ça risque d'être juste. Ouais, ils les ont déjà pris. Oh, les crédits. Plus de crédits, toujours plus de crédits. T'en veux toujours plus. C'est bon, on peut y accéder. Pas de grande zone de combat. Désolé, je voulais pas te tirer dessus, mon cher. Voilà le transmetteur. Sympa l'arme. On fait d'abord le tour. Toujours plus de ressources. Normandie, vous ici Joker. Le signal est faible, mais on vous reçoit, commandant. Idea. Les erreurs dans le logiciel de calibrage sont faciles à rectifier. Je recommande une posture défensive. Dès que les récolteurs s'en seront aperçus, ils vont vouloir nous arrêter. Tu as d'autres infos à nous donner ? Des renforts ennemis s'approchent.
intervention directe nécessaire. Ennemis repérés. Ah Allez, on se défend, on se défend. Ils sont bien proches, du coup on va prendre une autre arme. Préparez-vous, ce n'est sûrement pas terminé. Oui, tu as raison, Garus. Oui, ça je me doute, hein. Mais ouf. Ah. Oh. Eh ben. Idea, réactive ce système vite. Un nouveau modèle. Tenez vos distances. Prétorien. Résistance. Ça n'a rien donné. Nice. Il s'apprête à partir. On ne peut plus rien faire. Ils sont partis. Il y a la moitié de la colonie là-dedans. Ils ont emmené Egan, Sam et Lilith. Faites quelque chose. Je ne voulais pas que ça se termine comme ça. C'est déjà énorme, Shepard. Shepard ? Bien sûr que je me souviens de vous. Vous êtes je sais pas... Commandant Shepard, capitaine du Normandie. Le premier spectre humain, la sauveuse de la citadelle. Vous êtes en présence d'un dieu, Delan. Qui avec revient... tous les gars bien qu'on a perdus, c'est vous qui restez. Dommage. Allez vous faire voir. Moi, à l'Alliance, j'ai assez donné. Les retrouvailles peuvent attendre. Cerberus m'a ramené à la vie pour arrêter les attaques comme celle-ci. Alors vous bossez avec Cerberus ? Garus aussi ? Je n'en reviens pas. Les rapports disaient vrai. Des rapports ?
Vous étiez déjà au courant ? Les services secrets de l'Alliance pensaient que Cerberus était lié à la disparition des colonies. J'en ai référé à Anderson, mais il n'a rien voulu me dire. Des rumeurs disaient que vous n'étiez pas morte. Pire, que vous étiez passée à l'ennemi. Les tourelles de défense, c'était juste un prétexte. Pour enquêter sur Cerberus, pas sur vous. J'espérais de tout mon cœur que vous avez tourné le dos à toutes nos valeurs. Ash, vous me connaissez. Vous l'avez vu de vos propres yeux. Les récolteurs ciblent... J'aimerais vous croire, Shepard, mais je ne fais pas... Vous avez pensé que les récolteurs pourraient être de mèche, non pas avec les moissonneurs, mais avec Cerberus ? Typique de l'Alliance. À trop vous focaliser sur Cerberus, vous refusez de voir le vrai ennemi en face. Je vois que vous ne voulez pas entendre raison. Vous boitez après 2 ans et vous venez me dire que vous bossez pour Cerberus. Peu importe, moi je suis restée Je vais en référer à la Citadelle. Ce sera à eux de décider s'il faut vous croire ou non. Ash, quelqu'un comme vous me serait utile dans mon équipe. Sûrement pas. Vous savez ce que je pense des aliens, mais Cerberus a une réputation extrémiste. À plus, commandant. Ok. Alors... Shepard, c'était du beau travail. Les récolteurs y réfléchiront à deux fois. C'est tout sauf une victoire. On n'a pas empêché... C'est toujours mieux que la totalité. Depuis que les enlèvements ont commencé, les récolteurs seront sur leur garde désormais. Mais nous trouverons bien un autre moyen de les piéger. D'après Ash, l'Alliance a été... J'ai peut-être laissé filtrer que vous étiez encore en vie. Vous avez risqué la vie de mon équipage et d'une colonie. Un risque calculé. D'ailleurs, ils auraient fini par attaquer une autre colonie. Et à défaut d'anticiper leur Trouvez-moi une cible, j'en ferai mon affaire. La cible est toute trouvée, bien qu'inaccessible. J'alloue toutes nos ressources à la recherche d'un passage via le relais Omega. Vos hommes devront renforcer leur détermination. Cela vaut aussi pour vous. Puis-je croire que vos relations anciennes sont désormais derrière vous ? Ça ne vous regarde pas. Si elles affectent la mission, Shepard, dès que nous aurons trouvé le moyen, votre seul espoir pour vous et votre équipage, c'est d'être totalement dévoué à... Ça, c'est mon affaire. Contentez-vous de nous dégoter. Je tiens seulement à jouer franc jeu. Je vous ai transmis 3 autres dossiers. Continuez de monter votre équipe pendant... Ne vous relâchez pas, Shepard. Enfin, on va avoir un peu d'action. D'un autre côté... Après ce que ces bâtards ont fait sur Horizon... Ils sont puissants, mais on a de la ressource. Je dis pas le contraire, commandant. J'ai encore un dernier truc à faire avant de partir. Ok. Je vais faire une petite ellipse, je reviens. Me revoici, excusez-moi pour cette petite ellipse. Et donc, on va un peu explorer... les nouveautés qu'on peut avoir dans les zones. On va reparler à chacun de nos membres actuels. Alors, ouh! Ok, alors Mordine. Shepard, que puis-je faire pour vous? Vous avez un peu de temps pour... Pas maintenant. Autre chose? Des idées pour nous préparer. Quelques-unes. Coûteuses. Shepard, que puis-je faire pour vous ? Des idées pour nous préparer. Désolé, j'ai fait ce que je pouvais. Là, j'analyse les technologies des récolteurs. Vous êtes satisfait ? Plutôt. J'ai localisé plus. Il me faut plus de matière. Davantage de données sur les récolteurs. Rien à signaler sur le personnel. Quelques problèmes en suspens. Mais rien d'un. Vous avez un peu plus tard, peut-être. Autre chose ? Je vous laisse. Si vous avez besoin de moi, je suis là. Ok, donc c'est pour améliorer encore notre équipe. Là, vu ici, on va aller voir Jacob. Commandant, désolé, je suis un peu distrait. C'est personnel. Ça n'affectera pas mon travail. J'ai du temps devant moi. Je le répète, c'est personnel. Je ne veux pas... Eh bien, un fantôme... Je vous écoute. J'ai reçu une mise à jour sur la situation du Hugo Gernsback, le vaisseau sur lequel servait mon père, Shepard. Ce vaisseau a disparu il y a 10 ans. À mon avis, ce n'est rien de plus qu'un signal de détresse automatisé qui tourne en boucle. Vous voudriez qu'on aille sur si place? Si les coordonnées ne sont pas trop éloignées de notre trajet. Ce n'est pas mon genre de m'attarder sur tous les signaux de détresse qui fusent dans l'espace
mais celui-là... Une opération secrète de Cerberus, peut-être ? Ça m'étonnerait que l'homme trouble laisse une... Et celui qui est derrière ça a effacé ses traces. Vous ne vous entendez pas ? Nos problèmes remontent à une... Trouver une planète non répertoriée ? Ça mérite le Merci, défi. Commandant. Je ne m'attends. D'accord. Donc ça, bah en fait, c'est... Je vais essayer de regarder si c'est des missions annexes pour voir. Ah... Ah tiens, Miranda, l'enfant prodige. D'accord, Miranda avait envie de voir avec moi, ok. Je pense que ces missions-là, je les ferai hors vidéo, vu que c'est, je trouve que c'est plus des missions annexes que des missions principales. Du coup, voilà. Modifie quand même les armes qu'on a. Ok. On parle un peu à tout le monde dans le vaisseau, puis après je pense qu'on s'arrêtera là pour avoir vu les nouveautés sur Steve Salaire. À quoi tu vas occuper ta prochaine perme ? Tu crois vraiment qu'on aura droit à une perme de sitôt ? Évidemment, Shepard est en train de réunir une sacrée brochette d'experts. Ça va faire des étincelles. T'as peut-être raison, Matthews. Oui, Shepard. Parle-moi de toi. Avez-vous un Comment monsieur ça, Moreau ne C'est vrai pas. Quoi ? Le dernier Normandie se débrouille. C'est tout pour Je vous déconnecte, Shepard. Hé, hey, commandant, c'est dingue, non ? Le monde est petit, vous trouvez pas ? Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'a fait rudement plaisir de revoir Ash. Chef artilleur Williams, c'est bien ça ? Elle a refait sa vie et c'est bien normal. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi moi ? C'est Ash qui a sauvé la galaxie avec vous. C'est elle Allons, Joker, vous savez bien qu'on ne peut pas se passer. Ouais, ça me fait une belle jambe. On est juste en train de se prendre. Les règles de service. Juste la haine que ces vidéos de moi soient toutes floues. Ça c'est tout pour l'instant. À bientôt, commandant. C'est l'amour vache entre Ida et... Kelly ? Ah, Kelly, c'est elle là-bas, d'accord. L'amour vache entre... Excusez-moi, je cherche mes mots. Entre Ida et Joker. Le compte-rendu mentionnait la présence d'agent... Pas grand-chose. Je comprends. Bref, que puis-je faire pour vous, commandant ? Il y a quelque chose... L'agent Lawson demande à vous parler. Elle est à... Autre chose, commandant ? Vous avez une minute pour à vous, toujours. Je ferai mieux. Très bien. On se... Commandant, vous avez reçu un message sur votre terminal privé. J'en ai un ? Ah bon. J'ai cru les avoir tous lus, non ? Je les ai tous lus. Qu'est-ce qu'elle me raconte, Kelly, là ? Alors, on va déjà passer à nos quartiers. Voilà, ça va, on est bien comme ça. Alors, les récolteurs ont vraiment attaqué New Compton ? Ça, c'est pour en savoir un peu. Ma fille serait partie juste à temps. Elles sont tranquilles à San Francisco en ce moment. Ok. Excellente nouvelle. Oui, mais... C'est beaucoup de monde à New Compton. Il faut qu'on réussisse.
Alors. Ah, merci, commandant. Report a fait bon usage des ravitaillements. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, commandant? Vous avez tout. Oui, maintenant que vous m'avez ravitaillé, merci encore. Je ne veux pas vous retenir. Retour au boulot. Alors, voyons voir Miranda. Qui souhaitait nous voir? Fait longtemps qu'on n'est pas allé dans son bureau, d'ailleurs. Shepard, c'est assez embarrassant. Je n'aime pas aborder les sujets personnels, mais c'est vraiment important. Miranda, vous faites partie de... Mon père était extrêmement riche. Il voulait la fille idéale, et quand j'ai appris que mon père cherchait plus à contrôler une dynastie qu'à élever une fille, je suis partie. Comment est-ce que votre père... Plutôt mal. Plusieurs de ses gardes ont été blessés au passage. Il sait qu'il ne faut pas s'attaquer à moi. J'ai une sœur, jumelle, qu'il pourchasse encore. Cerberus avait... Elle mène une vie normale sur Ilium, tranquille, loin de mon père. Et vous pensez que son père a... Précisément, commandant. Mes sources, j'ai cherché à la cacher sans qu'elle en souffre. Mais je suis à court. Il est trop près. Il faut que la famille de ma sœur change d'air avant qu'il ne soit trop tard. Qu'est-ce que vous savez sur votre sœur? C'est ma jumelle, j'ai... Mais elle mérite de vivre normalement. Et j'ai bien l'intention que ça continue. La famille de votre sœur est au courant? Ils ne sont au courant de rien. J'en ai informé Cerberus qui va trouver un prétexte pour les faire partir. Mon père est extrêmement persistant. J'aimerais aller sur Ilium quand... Le nom de mon contact est Lanteia. Elle nous attendra au salon près de la baie d'Amar. D'accord, donc ça c'est une quête sur Ilium. Pour Ilium, on ira... On la fera ensemble celle-ci, vu que c'est sur Ilium. A plus tard, docteur. Commandant. Il n'y a rien à voir d'autre pour le moment. Voyons voir du côté des batteries principales là où il y a Garrus. Shepard, vous avez besoin de moi pour quelque chose? Vous avez une minute? Ça peut attendre un peu, je suis en plein calibrage. Vous avez des améliorations? Quelques-unes, oui. Vous avez besoin de moi pour quelque chose? Les hommes de Cerberus... Ne vous en faites pas, commandant. On est tous du même bord. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Maintenant, on a un semblant de chance. Vous avez des améliorations? Des améliorations actuelles. On se reparlera. Si vous avez besoin de quelque chose, je suis là. Donc on va devoir utiliser l'armement du Normandie. Ok. Allez, on va voir au dernier étage. À la salle des machines. Shepard. Je passe juste voir si vous... La soute est trop exposée. Pas assez d'abri. Blindage restreint. Le chef de guerre Grant l'aviserait pour... En tout cas, c'est ce que les images de la cuve m'indiquent sur les vaisseaux humains. C'est comme ça que j'ai... C'est comme tenir un livre à un enfant. Des leçons de choses, image après image. La raison derrière tout ça n'est jamais... Qu'est-ce que vous avez d'autre comme info? Il suffit d'un pouce de pénétration pour sectionner la colonne. Vous êtes tendre, comme ces Galariens et les Asari. Pour les Turiens, il faut remuer la lame. Je crois, je ne vois pas trop l'utilité. Enfin, à part se faire plaisir, bien sûr. Il doit bien y avoir quelque chose qui vous... Dans la souffrance, les morts... Quand il a activé la cuve pour la première fois, j'ai hurlé, comme un lâche. La belle affaire. L'important, c'est ce que vous êtes devenu. Ma force est innée, mais je ne la mérite pas. Ces morts ont eu la force d'essayer. Le Krogan parfait. Et je vais réexaminer ce qui est arrivé au Krogan. Qui sait, j'y trouverai peut-être de quoi main. Shepard! Les humains parlent trop. C'est tout pour l'instant. Shepard. Regarde le trou, le gémir. Garrus a fait... Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, commandant? Reprenez le travail. Affirmatif, commandant. Pour le moment, ici, il n'y a rien. D'accord. On va descendre.
nous allons parler à Jack. Salut, parlez-moi de... Qu'est-ce que vous manigancez ? J'inspecte toujours votre vaisseau. Ça me tenterait bien de faire un petit rodéo avec, quand vous ne serez plus là. Je doute que Joker vous laisse faire. Relax. Les virer ? C'était mieux avant. Et puis si je voulais, je le prendrais. Tiens donc. J'ai traîné ma bosse, j'ai rejoint des gangs, j'en ai éliminé d'autres, j'ai intégré une secte. La coupe de cheveux a pas bougé par contre. J'ai appris à survivre, à ne pas être une victime. J'ai du mal à vous imaginer dans une secte. J'étais à la recherche de réponses, de drogue, de baise et d'un monde meilleur. Un monde meilleur. Non, c'était uniquement pour le pognon. Ils étaient comme les autres. Rien à branler de moi, rien. Vous avez fait quoi quand vous vous à votre avis ? Vous avez quand même dû... Tout le monde veut quelque chose. À cause de ça, tous les... Meurtres, attaques à main armée, kidnapping, trafic de drogue, vol, pyromanie... La piraterie, le vol d'un vaisseau militaire, la destruction d'une station spatiale et le vandalisme, ça... Ça avait de la gueule. Les militaires ne sont pas des tendres. Ils auraient pas dû laisser ce truc déverrouillé. Et puis c'est chiant les défilés. Alors j'ai mis de l'ambiance. Une station spatiale ? Là, j'ai pas dit que c'était facile. Il y a parfois des trucs qu'on est obligé de planifier à l'avance si on veut les niquer en beauté. J'ai passé un peu de temps avec des types. Une colonie de hors-la-loi. J'avais l'impression qu'on était pareil. On était surtout une belle brochette de cible. Les Turiens croient connaître la défense de la Terre brûlée. Mon cul, ouais. Vous avez aussi été pirate ? Ça va avec le kidnapping. Enfin, à condition de ne pas tuer tout le monde à bord des vaisseaux qu'on détourne. Ça m'apprendra à en laisser en vie. Je suis surprise que vous preniez la peine de mentionner le vandalisme. C'est comme ça que disent les Anari quand on envoie la station spatiale dont j'ai parlé tout à l'heure faire un cratère sur une de leurs lunes. Ils l'aimaient beaucoup, cette lune. Ça vous arrive de vous demander si vous auriez pu agir différemment ? Non. Vous ne devriez pas ? Je n'ai aucune raison d'avoir survécu, et pourtant, vous savez pourquoi ? Grâce à mon instinct, on ne change pas une recette qui marche. Dites, Shepard, personne n'avait encore discuté de ça avec moi. Ça fait... Alors, allez vous faire foutre, et merci pour votre sollicitude. Je t'en prie, Jack, je t'en prie. Ok, alors voyons voir ce qu'il y a de nouveau sur la carte stellaire. Bon, écoute... Alors voyons voir des... Ouais donc, on va laisser... Jacob Taylor, j'ai dit oui. Alors regardons vite fait, donc ça on s'en fout, marqué tout comme lui. Journal. L'assassin, Tan Krios, probatrice Samara. Talisera Van Neymar. D'accord. Pas de message, pas de message. Beaucoup de zones, hein, dites-moi. La mer des ombres, d'accord. Nébuleuse de l'œil déjà effectuée. Nébuleuse du croissant, d'accord. Nébuleuse du titan. Nébuleuse de la rosette. La bordure extérieure. D'accord, donc entre cette vidéo et la prochaine, il y aura... Donc je vais explorer chaque secteur. Bon, bien sûr, je ne rentrerai pas par exemple ici pour Helium. Hein. Ni recruter Tali, par contre aider Jacob je le ferai hors vidéo dans la nébuleuse de la rosette. Et donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime et surtout vous abonner à la chaîne. C'était tout, c'était le prochain HD, passez une bonne journée, bonne soirée et vive les jeux vidéo.